Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Bon nouvelle yo, pas facile. Mais c'est toujours un plaisir pour nous informer où les tomber. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis c'est construit, depuis c'est créé emploi, depuis ce développement dans l'agriculture, dans le pays d'Haïti, nous sommes toujours prêts pour nous faire tout tripotaille. Projet zone franche agro-industrielle Savandiana lancé officiellement. Ha, ça fait longtemps. Où a posé tête ou question, Abdima? Président lève tout tes sabay en famille. Qui ça ou pral fait là-dedans? Nous connaissons la famille APED, c'est qui responsable compagnie Coca-Cola dans le pays d'Haïti. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, environ 60 l'année depuis plus passé, 60 hectares ont été abandonnés. Eh bien, il y a un gros projet qui pral fait sous Tessayo. Eh bien, ça, on pral fait là-dedans, c'est plantation, mango, zaboka et divers lot encore. Et ceci, là, on fin fait tout zaboka, tout mango, ça, yo, ak lot plant, yo, ge pou yo planté sous territoire. Eh bien, yo pral vend yo à l'étranger. So pense, agriculture pays a pas avancé, économie pays a pral relevé. Eh bien, qui j'en ça pral fait? Qui va les moun qui pral travail, qui va les l'argent yop dépense, et non seulement ça tout besoin qu'on est, nan qui va les temps projet ça yop même yop fait. Qui sa paye yop pral bénéficier là-dedans? Rale ti chèz ba ou chita confortablement, m'pral bon tout tripotay sa yop, nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nous yé? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sur channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Nous avons une chance de présenter un petit compte ailleurs, compte ça qui c'était, passer là, passer l'autre bord, n'a pas rencontré puis devant. Réponse là, c'était sentiment. Merci avec chaque fanatique qui t'a commenté, ça t'a fait plaisir en pile en pile. Nouveau compte nous gagne, mesdames, mademoiselles et messieurs, en partie, cric-crac. Machine président a passé, vacabon a couru de elle. Machine président a passé, vacabon a couru de elle. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Bagay ça, te baye en pile problème. Le président Jovenel te signé accord ak APED, qui c'est moun qui responsable compagnie Coca-Cola dans le pays d'Haïti. En pile moun tap mande explication pour président, leve tout te sa bayo et puis comme zone franche. Mais personne poko konne ki sa k tap pral fèt. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça m'pral explique nous là, cette roquette là, ça veut dire tout chayo derrière toujours. Plus passé 60 hectares te rete abandonné depuis passé 60 l'année. C'était cabri de bœuf timoun qui te konap joué boule sous li. Compagnie Stevia a décidé de lancer un projet et yon déjà commencé. Ça yon pral fait sous terre ça. Nous capable remarquer un paquet de pieds aboka commencé à lever, à pousser ti feuilles. Donc, société Stevia Agro Industrie SA a commencé à dépenser divers millions dollars pour production agricole là dans zone Savandiane. Famille APED ak Dorsé gen versé dans fond yo 2 millions de dollars dans capital initial société a. Yon près de 2.5 millions de dollars dans fond développement industriel ak yon taux de 6% pour lancer un centre conditionnement dans son taux 19 et troisième fois c'est 3.5 millions de dollars yon prêt qui sorti dans Banque Nationale Crédit pour démarrer plantation Savandiane. C'est parti bagay ki piti. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, homme d'affaires André Michel APED explique travail il fait en vente river cultiver moins que yon hectare. Lègue la pli sol la kembe de l'eau. Racine yo pourri, mais sans de l'eau, sol la arrêté sec, nan kasa. Divers espèces aussi dans pays étranger mettent en place yon système drainage en bate. Donc, 12 km si yo getan installé pour capable faire de l'eau monter sous terre et de l'eau qui rete en bate, yo ap formé canal de 7 mètres de profondeur, yo ap kondil aller dans lac ou bien bassin rétention qui était construit par Taïwanais depuis plusieurs années.
Donc, système complexe drainage ça ak irrigation a facilité yo produit divers denrées qui cultivé par société a qui pral exporter dans pays étranger yon plante à base de stéviose qui gagne une vertu curative qui pas cancérigène et qui combat diabète ak obésité. Donc nous capable qui valait avantage qui gagne pour stevia. Compagnie Coca-Cola yo très intéressé pour yo utiliser dans boisson yo. C'est un potentiel partenaire commercial à l'étranger qui déjà identifié. Yo getan mette en place un centre conditionnement pour établir traçabilité dans production et garantir qualité yo tout. Responsable projet yo a investi plus passé 200 millions de dollars pendant 10 ans et créé 20 000 jobs. C'est une entreprise production zaboka ak mango et pimitil yo a fait dans zone ça en collaboration ak divers agriculteurs locaux. Si autorité nou yo prévoit ça pral gagner dans Savandiane, et bien rapidement yo doit commencer lancer un projet pour yo construire un aéroport international pour capable faciliter cargo ak passagers qui en partenariat avec l'État haïtien. Pour qu'on y a, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est planté zaboka avec l'autre plante. Mais l'autre projet a commencé dans 10 l'année qui a venu là. Pour commencer le projet, ça, eh bien, société a formé des familles à PED, celle-ci d'Orsin qui joignent approbation autorité PIA qui forme le Conseil national des zones franches, CNZF. Eh bien, projet de zone franche agro-agricole Savandiane, érigé de façon limitrophe entre diverses communes, tant que Maïsad qui sous contrôle département centre, Pillon qui sous contrôle département nord, Saint-Michel de l'Atalaye qui sous contrôle département la Tibonite. Depuis 24 mois, investisseurs internationaux, experts américains, Pérou, Chinois, ak Haïtien yo ap travay sans camper dans 119 ak Savandiane pour préparer plantes et labourer des milliers d'hectares pour plantation stevia ak zaboka. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est parti bagay piti. Donc, en ce sens, nous besoin des projets comme ça. Ce n'est pas seulement les premiers mais pour arriver et pourtant, des gens qui finit qui dit comme ça là et paye pour faire un cadeau, combien de tonnes de diri. Mais si que, eh bien, compagnie ça lui-même décide de faire projet ça, de dépenser 200 millions de dollars pour que vous plantez tous les avocats ça, mango ak divers l'autre plante encore et ceci a fait l'autre produit toujours. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, si gon l'autre compagnie qui vini qui dit eh bien ça n'a fait nous mêmes et n'a pas de l'état approbation li n'a planté diri. Yo l'autre équipe vini dit comme ça n'a pour quantité terre dans monde n'a planté canne. Donc ça va pral aider pays à développer. Pas oublier pays d'Haïti économie la chita sous agriculture. Et ceci, compagnie qui a réalisé projet, ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pour un petit bagage qui piti. Et là, on fait tout mango ça, on fait tout zaboka ça, yo, yo capable exporter yo à le vendre à l'étranger. Et qui m'a qui a gagné, qui côté yo fait yo en Haïti. Ha, ça, ah bon. Eh bien, pour un pile moun, yo te déjà dit, président, gè les foules levé tout te ça, bay yon compagnie, bay yon équipe moun, bay yon équipe timilat, sans qu'on ait qui sak d'après le fait. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, souvent, quand pile moun qui kon fait quoi, mouche la kon pas besoin manger à mille jos pou sou li, pou le fo pa pran encore. Eh bien, nan pays a gon équipe moun qui kon ça. Imaginons, gon paquet qui toujours revendiqué, yo vann pays a, yo fait tel cadeau tel bout, yo fait tel cadeau tel bout. Nous plus prenons nous pour nous critiquer, nous plus prenons nous pour nous bouler caoutchouc, craser, briser, mais jamais penser qui ça nous capable faire sous yon bouté, qui ça nous capable planter, qui ça nous capable mettre structure là-dedans pour nous employer moun pour yon travail. Parce que, journée jodi à mesdames, mademoiselles et messieurs, comprenez bien, majorité jeunes femmes et jeunes garçons qui partent quitter pays d'Haïti, calé Chili, quand tu as le travail, gen se nan kei tomate. Sortant de yon pat habitué à koulev, koulev a passé sous ap ni chou, ou obligé rete là-dedans, parce que ou pa katye koulev la, surtout yon lui a fait payer amande, dans pays d'Haïti, pat gen bagay sa. Mais si yon a projet kap vini comme ça, et imaginons yon déjà prévoit, yon a baye plus passe 20 000 moun emploi. Donc, dans le cas ça, divers moun qui tap quitte pays ya, aller en République Dominicaine, al fait qui ça, al travaille. Moun sa yop ka vini pour travail dans plantation, pour travail dans projet ça tout. Et ceci c'est pour un projet qui a duré un an, deux ans. Donc, première phase là, yo commence et yo compte dépenser
200 millions de dollars et ceci dans 10 ans après l'autre bagaille qui vient encore. Donc c'est au fur et à mesure yo a avancé ensemble avec projet. C'est parti bagaille cap piti. Bon, mesdames, mademoiselles et messieurs, imaginons de nos jours c'est qui ça? C'est plus mango Haïti voye vendre avec l'autre pays. Et les op trié mango ça yo, puis gagon ti pèse là dedans. Là on finit trié tout sac pour envoyer vendre à l'étranger et puis tire ce rejet et puis c'est loue marchand descend dans compagnie sous Santoa à l'acheter. Pour yon même, pour mettre dans la bourrette revendre, ça veut dire c'est ça qui parle les cailles blancs et li yon ba nou. Donc, nous capables de comprendre, c'est pas jour et jour d'y a, nous pas manger bon bagay, donc tout bon yon nous vendre et puis tout c'est tout région nous quitter la caille pour nous manger. Bon, m'expliquer nos bagay qui kon passe. M'so j'ai gon dame qui gon gros pied grenadier la caille. Grenadier, l'autre de la baye grenadier, la baye grenadier nan gou jese. Ou kon ou, ou grenadier pe ya gon jali, gon ti gou su en bas gwaon, et puis en dan le jaune abricot, bien foncé, le pas blanche même. Même que grenadier kon souvent, pou a pa mi, mais depuis il commence à prendre ti koule, ah, m'ba kache dou, de grenadier ba on bel poji. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est toujours un plaisir pour dame dans lui-même ça le fait. Kay tout grenadier maintenant panier alvan et puis elle a pandre le vina en boîte suiti pour timoun yo. Et kebe gros coq là, l'alvan il a tourné, l'acheter 50 dollars pour le blanche pour le vin coûte pour timoun yo. Nous pas qu'à faire tête, nous pas se miser comme ça. Faut que nous remet tête nous d'abord. Donc, yon nan bagay qui passe dans pays d'Haïti, c'est parce que nous pas remet tête nous. Si nous remet tête nous, si nous remet pays nous tout bon vrai gon paquet bagay nous t'a fait. L'argent n'a dépensé dans faire manifestation boule caoutchouc, on prend, on a le planter pito. On construit pour demain. Donc, déjà compagnie a annoncé l'état, si yon gen tan prévoit ça pral gagner dans 10 ans dans ça. On dit pressé ou ta supposé construire un aéroport international national pour capable faciliter transport pour capable les que produit ça au paraît sans perdre temps prend yo transférer yo al vendre dans pays à l'étranger et ceci gagne un produit yo a vini ensemble avec tout yo capable mettre là-dedans yo qui capable combattre contre cancer ak obésité ak diverses autres maladies encore déjà yo a gardé ça yo capable faire pour mettre le paquet boisson qui pral que moun pral consommer. Donc en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'espérer que nous commencer comprendre pour qui ça que président Jovenel Moïse lui-même té accepté bail et appel zone ça comme zone franche pour capable faire des plantations qui pral utile pays ya dans 10 dans 15 dans 20 ans cap vini là et ceci pièce à boca l'air au planter c'est pour celle quand tu as capable diverses récoltes. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous besoin construit pour Haïti nous réveiller dans 10-15 ans pour nous capables de commencer à prendre cette limite. Pour ça, fait, c'est depuis journée jeudi à même pour nous commencer à planifier. Gardez comment nous capables de gérer les paysans. Gardez comment nous capables d'exploiter ça qui est dans la terre. Gardez comment ça nous. Nous capables d'exploiter ça qui dans l'an mais millions nous capables d'exploiter pour nous capables développer pays ça tout bon vrai depuis un bon bout de temps qui était cap souffrir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'autre information qui est très importante que vous devez connaître, eh bien hier soir comme nous connaît rumeur tap courir fait quoi que Gabi Geoffroy, un ancien policier délégué et SPNH 17 là t'es mouri. Eh bien, monsieur explique que li prend un total de 5 cartouches, mais grâce avec Grande Sainte-Anne charitable, t'es fait que le pas mouri. Mais chance pour l'île de guetta ou visage divers moun qui te vin fait zak sa. Donc, n'a posé tête nous question pour demander est-ce que c'est pas film cap monté ou bien c'est pour tout bon. Déjà, go paquet parole piment bouc cap lancé. Donc, en ce sens, n'a toujours été connecté ensemble avec vous pour nous porter toute dernière information pour vous sous dossier ça qui ont dit j'en paraît flou ni pour la police ensemble avec population. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Jacques Mbélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique. Dans Washington, c'est un plaisir l'autre fois encore pour l'ensemble pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtienne qui c'est rendez-vous info nous content comme d'habitude avant. Nous parlons actualité à une actualité en général qui focus sur les États-Unis avec Haïti. D'abord et depuis hier nous pour nous partager avant déclaration secrétaire d'État américain Anthony Blinken donc une réaction qui tombait après déclaration ça, l'a lancé appel pour demander
gouvernement haïtien organisé élection dans tout niveau avant fin année 2021. Lionel Demarat a présenté réaction youn nan leader politique nan pays d'Haïti, Clarence Renoir, leader Unir, Union nationale pour intégrité ak réconciliation. Lionel Demarat. Let's speak with one voice to urge the government of Haiti to organize free and fair elections by the end of this year and the government of Nicaragua. Non discours préenregistré, secrétaire d'État américain Anthony Blinken prononcé dans conférence Conseil américain mardi 4 mai 2021. Li lancé appel par le gouvernement haïtien pour demander l'organiser élection avant fin année. En même temps, tout chef diplomatie américaine a demandé tout pays sous continent américain parler avec une seule voix pour encourager Haïti faire élection ça. On l'autre côté, Clarence Renoir, fondateur et dirigeant parti politique Union nationale pour l'intégrité avec la réconciliation Unir, répétait un appel qui tourne un slogan pour parti la diriger, appel pour un dialogue national inclusif. Pour ça concernant, appel secrétaire d'État américain Anthony Blinken lancé pour demander élection en Haïti avant fin année 2021. M. Renoir dit, organisation élection dans le pays, c'est devoir avec responsabilité président Jovenel Moïse. Et le patadouetan, chef diplomatie américaine, prend position ça pour le remplir devoir envers nation. En réalité, Jacqueline Bélizer, nous n'avons pas besoin secrétaire d'État américain dit nous. Faut gagner élection faite dans pays à 10 février. Non, son devoir, son responsabilité président Jovenel Moïse gagne pour créer conditions pour ça fait. Maintenant conditions ça au plus créer quand comme on dit, il faut qu'on accord politique qui joigne. Oui, nous gagne temps pour nous réformer CEPA, pour mettre un CEP crédible sous pied. Et pour CEP ça, si c'est 9 membres, mais structure conseil électoral là, il est déjà là. Faut le cas travail. Donc nous besoin monde qui gagne crédibilité, qui vienne prendre direction opération électorale là pour que après pas gagner, parler en pile, nous, élection pas bon, etc. Donc, faut que l'élection soit propre, faut que soit démocratique, faut que soit honnête, pour que après, nous entrer dans la période de stabilité nécessaire. Ça. Clarence Renoir, c'est l'idée parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation. Merci, Demarat. L'autre point dans l'actualité concernant ce qui a passé dans le pays d'Haïti, le gouvernement continue à avancer dans la direction référendum. Et il y a un élément important dans la question référendum, non? C'est ça où les quatre dermalogues là et diaspora tout et ap capable de gagner quatre ça. Ambassadeur dans le pays d'Haïti, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, a expliqué qui gens que diaspora capable de retirer quatre dermalogues dans ici aux États-Unis. Tout consulat nous qui sont aux États-Unis, yo une collaboration qui fait avec le ministère des Affaires étrangères et ONI et pour qui distribuer et bailler les cartes à des citoyens haïtiens qui souhaitent gagner ici qui vivent dans la diaspora. Et c'est une activité qui pas non seulement aux États-Unis mais dans tout le pays côté gain ambassade avec consulat haïtien et citoyens haïtiens ressortissants haïtiens qui doivent aller avec pièce au mandat là faire une carte. Et 4 ça a permis de ne pas oublier que 4 n'a pas seulement 4 pour voter, mais sont 4 pour régler tout ce qu'on veut régler en Haïti avec les citoyens. Et je pense que l'ambassade là continue à faire. Nous recevons les gens ici à chaque fois qu'ils ont un passeport qui souhaitent faire 4 là, nous faisons le bouillon. Dans le consulat, nous, c'est la même chose. L'ambassade nous en dehors des États-Unis qui est dans notre pays, nous faisons. Je pense que c'est un accompagnement que le gouvernement bail à tous les sortissants qui est en dehors d'Haïti. Qui souhaitaient gagner 4 ça pour gagner un lit et mettre leur service. Est-ce qu'il y a moyen pour nous contrôler les questions de fraude? Nous connaissons que les Haïtiens qui essayent de gagner 2 passeports, passeport américain et passeport haïtien, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que nous avons moyen pour nous contrôler? Pas oublier, nous n'avons pas aucun contrôle sur lui, c'est ONI qui a un contrôle sur lui. Les citoyens viennent avec PSD, par exemple, si on vient faire passeport haïtien. Pas dans le passeport, il y a une pièce haïtienne. C'est parce que l'haïtien, mm-hmm. même pièce, il a besoin pour faire 4 là. Mm-hmm. C'est-à-dire aussi, longtemps que nous avons besoin de 4 là, il demande, nous ne pouvons pas faire. Nous avons demandé de souhaiter faire 4 là, faire pour lui. Mais 4 là, nous ne pouvons pas faire parce que nous avons une capacité pour nous entrer dans la base d'art, base de données pour faire imprimer. 4 jours imprimés en Haïti, aussitôt que nous entrons dans le système, non, système non, data là, en Haïti, dans le centre ONI, ONI même imprimé 4 ça, vous voyez, il y a mission en fonction parce que chaque mission, chaque consulat, chaque ambassade a un code. Et au niveau de l'ambassade, ça, ou de la consulat, ça, en fonction de ce code-là, après ça, on a venu de réclamer. Parce que il y a 4 ça, on ne peut pas prendre pour le monde. Il faut que les gens qui ont fait là, viennent
faut prendre et données biométriques bio, ensuite empreinte bi pour carte la valider. C'est là pour mon carte de crédit. Tout en banque la voie barre, tout en barre les banques dans le numéro du bourré là pour activer carte la carte valable. Et bien tout en barre venir ou même personnellement pour mettre les yeux là, pour mettre empreinte tout, carte la valide, carte la valide avec. So, et nous allons contrôler ça, nous tout simplement rentrer données dans la base là et ensuite on y recevoir lui après imprimer carte de valide. Ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, ou toujours sous la voie de l'Amérique, ou à peu depuis Washington d'ici, ou à suivre rendez-vous info. Qu'on a nous pral recevoir, invitez-nous pour aujourd'hui, Rélé Dali Valet. C'est un journaliste, c'est un spécialiste dans les relations internationales, c'est un confrère, un ancien collègue. Dali Valet, c'est avec un peu de plaisir que l'on a accueilli aujourd'hui sous la voie de l'Amérique. Yeah, bonsoir, mon frère Jacqueline, bonsoir. Et Lionel, bonsoir à tous les collègues, et bonsoir à tous les amis auditeurs qui suivent l'émission jeudi. Dali Valet, nous sommes passés la déclaration que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui demandait toute l'Amérique pour faire une seule voix à l'unisson pour demander au gouvernement haïtien organiser l'élection et année ça, donc d'ici fin année. Qui genre en termes de géopolitique nous capables de lire la déclaration ça? Bon, déclaration, c'est un peu cohérent avec philosophie nouvelle administration américaine, parce que, pas oublier, de vous dire démocratie veut dire d'abord élection, qui dit élection, veut dire que c'est suffrage populaire qui peut sanctionner l'élection. Et pas oublier que l'administration Biden, il gagne comme pilier fondamental question de droits humains avec démocratie. Donc élection que vous avez demandé, elle est vraiment cohérente avec philosophie pouvoir Washington. Non? Mais en même temps, elle est cohérente avec discours politique américain gagné dans le pays d'Haïti depuis 2011, je peux dire. Parce que, pas oublier, le dernier document stratégique que les États-Unis ont gagné sur Haïti est daté de 2011. Pourquoi j'aime un nouveau document qui dit que les Américains t'a souhaité pour Haïti. Donc, il dit que le document, ça, les chita sur élection, les chita sur question d'investissement, et puis créer conditions pour capable de gagner des partenariats économiques qui développaient avec Haïti et même d'autres pays et même les États-Unis. Donc, ça veut dire que, et pour le moment que nous avons parlé à là, c'est même et pattern, ça, c'est même discours ça qui kembe plus de 10 ans après. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons tout simplement, c'est le fait que l'administration qui est en place là pour le moment, elle mettait en phase sur la question des droits humains et puis en même temps, elle insistait davantage sur l'élection. Mais l'élection en fin d'année en Haïti, elle est presque quasiment impossible dans la mesure où ça te prend un minimum de 6 mois après l'installation du conseil électoral pour organiser des élections. Donc, je crois que l'administration américaine, non, c'est parce que il y a besoin de montrer cohérence, justement, entre le discours avec philosophie au niveau géopolitique, qui fait que il y a des questions d'élection, mais de manière concrète, là, vraiment difficile pour l'élection faite dans le pays d'Haïti, l'année, d'autant que le conseil électoral qui est sur place, que nous avons, n'est pas bénéficié de l'agrément national, différents partenaires d'un pays. Même au niveau des sociétés civiles, ils n'ont pas gagné et légitimité qu'il faut qu'ils puissent être capables de faire élections. Qui viennent faire que, même si Haïti a voulu faire des élections vraiment dans fin d'année, il est presque matériellement est vraiment impossible pour l'élection seule d'arriver. Donc, en bout de ligne, autour de la situation, elle est plus rhétorique quelque part. Elle est plus rhétorique que l'État vraiment marié avec réalité terrain en Haïti. Donc, nous comprenons. Monsieur Washington, il y a une philosophie, il y a une vision, il y a un terrain, mais en même temps, il y a la réalité du terrain en Haïti qui vraiment pas coïncider, n'est pas concordé entre ce que Washington voudrait et ce que la réalité lui-même lui imposait comme condition. Monsieur Valet, ça c'est la position de Washington, bien que des monde qui pensait que avec la nouvelle administration, tu as pris le gagner et position d'apprentissage nuancée, mais là nous garder position corps groupe là lui-même,
c'est pas Washington, bien que Washington gon groupe poids dans corps groupe là, mais corps groupe là et aller dans même sens là tout, yo ti Jean Kembe, yo ti Jean Kembe à distance, yo Kembe référendum à distance, mais yo même yo toujours pour les déroulement des élections et ou même gen impression que si ou dit techniquement impossible pour ta faire réaliser élection avant fin année, est-ce que vous pral échouer ensemble avec l'administration dans le pays d'Haïti? Bon, non seulement, très belle question, non seulement les techniquement impossible, mais les politiquement tout, les politiquement impossible pour l'élection en fait en fin année parce que les conditions ne sont pas là. Parce que je te dis, un conseil électoral qui bénéficiait d'un sentiment, qui bénéficiait de approbation, toute société, hein, généralement, ça leur prend au minimum 6 mois après l'installation. Donc déjà, nous sommes des premiers ministres et ayant M. Claude parlé d'une sorte d'un gouvernement de consensus. Donc qui dit gouvernement de consensus, par contre, c'est la fête qui gêne à quelles conditions, dit gouvernement de consensus, évidemment, l'a débouché forcément sur un nouveau conseil électoral parce que par exemple, aucun parti politique est pour le moment de sérieux et dans l'opposition qui peut aller dans l'élection avec le conseil électoral qui vient de là. Donc maintenant, au niveau de l'international, bon, est-ce que lui a échoué? Bon, je crois que l'international a sorti un bilan d'échec en Haïti entre sa réouvrée avec sa réalité à lui-même en Haïti, lui imposer. Donc, il n'est pas généralement en adéquation entre ce que voudrait l'international et ce que les Haïtiens eux-mêmes ont décidé en fonction de différents intérêts politiques, il n'y a pas généralement coïncidé. Donc maintenant, et je crois que le discours sur les élections, son discours international de la guerre en Haïti depuis 1990, hein, depuis 1990, c'est pour un discours qui est nouveau. C'est classique. Élection. Mais nous connaissons que malgré les élections, ou bien élection pas faite, ou bien un coup d'État après élection, ou bien élection pas faite dans le délai où tu as souhaité, hein, c'est pas en 2015, je peux le dire, l'internationalité voulait, il passe bien une élection qui est faite, une nouvelle élection qui était faite avec premier tour, deuxième tour. Je t'ai blessé, même élection 2015, yo, qui s'est continué entre président et sous M. Privert, avec M. et Jovenel, et puis Jules Télestin. C'est même résultat 2011, c'est même résultat 2015 qui s'est contesté, yo, t'es vrai que t'es fait. Mais conditions politiques terrain, yo, pas allé dans le sens intérêt international là. C'est des choses auxquelles j'ai été témoin. Donc, c'est pas tout le temps l'international arrivé et obtenu ça a été souhaité en Haïti. Dynamique politique là, les gains propres les gains propres réalité pas que les viennent imposer. Donc, moi-même, je parlerai davantage de l'échec des Haïtiens au lieu de parler de l'international. Parce que l'international là, lui-même, même s'il a parlé français, il a parlé anglais, quel que soit au palais, bon, besoin tout les cœurs, parce que et Haïti, c'est pour d'abord, c'est pour Haïtiens. Si on dit Haïtien, fait tel bagage, et puis Haïtien, même lui, décide de faire ça au vrai, bon, on est capable de critiquer, on est capable de dire tout pour les données internationales, mais avant tout, s'il y a réussi, c'est réussi Haïtien, et s'il y a échec, c'est l'échec des Haïtiens. Bon, en fait, il faut aussi garder en tête, c'est que et l'acteur dominant dans l'international en Haïti, ce sont les États-Unis. Même si on est parlé de corps groupe ou parler de qui ça, il y a un acteur dominant. Ça. C'est l'irrité et pour quelqu'un temps la priorité des États-Unis. Monsieur Valet, et en 30 secondes, dis-nous non, qui lecture fait de commission ça, commission OEA qui pourrait entrer en Haïti pour faciliter dialogue entre protagonistes. Rapidement. Bon, son commission a eu plus de difficultés pour le bail résultat. Même le gain des acteurs en Haïti qui demandent des implications, il y a des partis politiques qui demandent des implications. Mais ce qui risque de se passer, c'est que tu as des partis de l'opposition qui sont plus allés dans le sens d'une médiation avec l'OEA, mais on parle dans nos côtés, bon, soit de corps groupe tout au niveau de l'opposition. Comment bien, oui? Même de corps groupe au niveau de l'opposition, des partis importants en opposition qui presque évolue à l'extrême par rapport à pouvoir et M. Jovenel là qui est capable de ne pas rentrer dans la dynamique de négociation sérieuse avec l'OEA parce que l'OEA il est très discrédité dans un secteur important de l'opposition et là difficile pour l'OEA lui-même d'arriver justement et arriver à une médiation qui est capable de satisfaire une série de partis. Et au maintenant des différents partis
yo di yo vre dialogue, yo di que yo vre départ ordonné, ça di yo pas vre départ, mais pas gen rien qui vraiment envisageable. Bon, d'un côté, ou gagne premier ministre et nouveau premier ministre Adrien, qui dit que monsieur Claude Joseph qui dit que lui-même et la question du départ de la démission de monsieur Jovenel n'est pas envisageable. De l'autre côté, vous avez des partis de l'opposition qui disent qu'il n'y a pas de négociation qui ne pose pas comme condition sine qua non la départ question de la démission anticipée du président Jovenel. Donc c'est un peu, même au niveau de partis qui demandent l'OEA pour venir faire médiation, que ce soit à l'ONU pour venir faire médiation, mais qui a parlé de départ ordonné. Merci Dali Valet. On a parlé de démission, M. Jovenel, là, d'un tour, bien avant la date que M. Jovenel lui-même lui fixait, qui c'est 7 février 2022. Merci d'aller. Ce sera très, très difficile. Le travail de cette commission sera très, très difficile puisque la méfiance est de tous les côtés en Haïti par rapport à l'idée de l'implication de l'international dans le processus politique là en Haïti. Merci Dali Valet. Dali Valet, c'est un journaliste et puis analyste politique. Il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Le fait nous la guerre, l'autre point dans l'actualité, cellule observation criminalité, une structure qui a évolué en dedans, centre analyse et recherche en droits humains cadre, publié 4e numéro sous évolution phénomène kidnapping dans le pays d'Haïti. Massiado Vilme a banon détail depuis Port-au-Prince. 49 cas kidnapping enregistrés dans 15 premiers jours gouvernement Claude Joseph là, parmi 91 cas enlèvement centre analyse et recherche en droits humains recensé pour mois avril passé. À travers dernier bulletin estrict ici là publié, nous constatons parmi cas enlèvement si là yo, yo enregistré 43% dans commune Port-au-Prince, 22% dans commune Kwalé-Bouquet, 19% dans commune Kafou, 16% dans commune Delma. Dans une conférence pour la presse mardi 4 mai 2021, président Conseil supérieur police nationale là, monsieur Claude Joseph, te fait connait gouvernement lien a prend toute disposition pour résoudre problème kidnapping ak insécurité qui a frappé plus monde dans population dans dernier jour yo. Il y a un phénomène qui pas fait différence à l'âge et statut social ak moyen économique. Dans cette situation ça, nous devons dire population continue à faire face tout avec maladie COVID-19 là, côté autorité sanitaire compté 15 nouveaux cas ak 3 monde en plus maladie en tué dans date 30 avril 2021 passé. Ça nous apprend dans dernier numéro ministère santé publique et population publié sous évolution maladie en pas bon site dans date 1er mai passé. Alors que goutte la continue à prendre frappe devant dollar américain côté yon moun a besoin 86 à 87 gouttes pour un dollar pour jeudi mercredi 5 mai. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Merci. 49. Merci Massiado Vilme d'apprêter Port-au-Prince, président bureau avocat international BAI Met Mario Joseph mandé un soulèvement général contre pouvoir en place pendant que le rejeté et démarche qui gain rapport à départ ordonné Met Mario Joseph. Ni Joseph Claude et ni Jovenel n'ont pas gain qualité pour négocier pour dire rien. Mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Son homme qui prend pouvoir, lui dit la fait toute bagaille, la fait élection, la fait référendum, des bagailles illégales. Donc tout le monde calchita avec Jovenel, ça fait pas. Nous pas quoi. Côté nous arrivé là, mandat Jovenel fini, deux Jovenel au mur, c'est continuer à culer et kembe résistance là. Pas que votre encore. C'est kembe résistance là, pour gens ça fait. Jean Abel hier. Mais est-ce qu'on va connaître Jovenel fait partie des crises là tout? Il y a des leaders politiques qui ont parlé de. On dit ordonné, c'est que l'idée ça nous-mêmes au niveau des BAI, nous regardons net, net, net. Bon, non, pas de départ ordonné. Mais les départs ordonnés, on était content de lire nos périodes côté mandat, monsieur, t'es là. Mais si vous Jovenel, comment vous parlez là? Bon, il parle. Bon, non. Papa entre nous, nos fatalistes. Jovenel pralé, parce qu'il dit quel rete, parce qu'il y a support moun yo. Support moun yo, bon, s'il le fait, bon, Duval, il fait tant de défaits. Il fait tant de défaits, puis nous fait, et 86. Mais je voulais dire à peuple là qu'on est ni tenant, ni aboutissant système, non, et bien, on ne peut pas prendre un coup de code dans le taille. Donc, question ça, peuple là, lui-même a continué à faire existence. Il aime penser nous, ouais, ça qui passe, Jean-Abel. Et me pensais, un jour, qu'a vigné, on a parlé à l'autre bagaille. Donc, et Jovenel avec blanc raciste, blanc américain, nous avons tout. Mobilisation qui n'est pas faite dans le niveau diaspora qui a fait.
Nous avons toute compréhension, même si nous-mêmes nous contingérance, mais nous avons une pile compréhension qui a dégagé et pour faire comprendre et qui ça va aller. Mais cause elle pas seulement Jovenel tout, mais plus que ça. Son question système lié. Jovenel, c'est un support lié à la base système. Il y a Goumavel pour le système n'a pas changé. Et c'est sa bataille. Donc, et tout le monde qui souffre coûte, eh bien, il a parlé de départ ordonné. Maître Mario Joseph, c'est président, avocat international BAI. Et puis, pendant ce temps, il y a un mouvement mobilisation qui déroule aujourd'hui à Nanchonmas. Il y a plusieurs leaders qui étaient présents, parmi eux Abel Lorestan, qui est porte-parole ensemble organisation politique opposition, sous lancement une semaine mobilisation contre président Jovenel Moïse. Mobilisation contre kidnapping d'État, contre insécurité programmée, contre référendum téléguidé Jovenel Moïse voulait faire en deux pays. Contre Jovenel Moïse par président pays d'Haïti encore depuis 7 février 2021, d'après la constitution haïtienne amendée 1927 là, en son article 134.2, qui donc Jovenel Moïse, c'est simple citoyen qui est lié. Et ça veut dire que nous-mêmes, nous lançons une semaine de mobilisation contre la dictature que Jovenel Moïse veut implanter dans le pays. Et bien, sous la mobilisation, ça, je dis à la nous place cette constitution pour nous faire respecter la constitution haïtienne. Parce que nous voyons que nous groupe mafia, un gouvernement sanguinaire, un président, un ex-président, Jovenel Moïse voulait passer la constitution du pays en papier. Et bien, nous disons que la place, ça, son place est historique liée. Parce que nous disons que nous allons quitter la place constitution comme ça. Et c'est ça que toute activité qu'on a fait, nous entrons en sous place là, parce que nous disons qu'il faut que la constitution 1947 là respecte. Abel Lorestan, c'est porte-parole ensemble organisation politique opposition. Pendant ce temps, président Jovenel Moïse, qui continue à faire promotion pour référendum 27 juin, eh bien, il dit si on moun pas d'accord avec référendum, non, c'est pas l'amico, c'est aller avec Bulteo pour capable dire ça. Président Jovenel Moïse. Je crois que le clair pour tout le monde, je dis à un monde qui ne parle pas, c'est pour aller voter pour dire non. Mais un monde qui ne parle pas, c'est pas dans le micro pour venir dire non, c'est pour aller dire non. Dans l'union, dans le côté que le peuple a mis, parce que c'est ça qui est démocratie. Démocratie, c'est la capacité pour dire oui ou voulez ou bien non ou pas voulez. Et ça, moi-même comme président, je dis à l'opportunité que le moment ça offre. Fin 50e législature, nous connaissons bien 50e législature qui finit 2e lundi janvier 2020. Jodi a une fenêtre d'opportunité parce que opportunité ça, t'es dans mes frères, c'est mieux, qui t'es sénateur, qui t'es député. Moi-même comme président, moi t'ai mis plus passé 100 millions de goudes dans le budget pour le Parlement pour te changer la constitution, pour t'amender la constitution, comme la dépenser. Li pa fait. Jodi a m'pren décision capable dépenser pour le fait. Et c'est ça nous dit. Président Jovenel Moïse fait déclaration ça pendant week-end là, puis précisément 1er mai, dans moment l'étape inaugurée barrage hydroélectrique Marion a rentré ici aux États-Unis avec actualité à président Joe Biden by Tetley. Il y a un nouveau objectif pour vacciner 100 millions de nouveaux mondes et jusqu'à 4 juillet, cap date anniversaire indépendance les États-Unis. Jean-Aubert, un détail. Initiative ça a été lancée dans le moment que l'administration américaine a fait face avec un autre problème, tout parce qu'il y a un monde qui prend vaccin déjà et qui part retourner pour une deuxième dose vaccin. Mais le président Biden actuellement lié aux uns et il sentit que il va atteindre l'objectif ça d'ici 4 juillet à venir là. Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans at least one shot. Président Joe Biden a annoncé 4 juillet comme date pour 70% de la population au niveau national recevoir une dose vaccin contre COVID-19 la VBT. C'est une nouvelle référence importante pour les États-Unis retourner dans une semblant normalité dans l'occasion de fête indépendance. Annonce président voulait dire environ 100 millions de doses vaccins disponibles. Il y a des monde qui prend la première dose ou bien deuxième dose vaccin pendant 2 prochains mois qui viennent là.
Je dis à environ 40% adultes vaccinés totalement contre pandémie COVID-19 là, d'après Centre contrôle maladie avec prévention. Officiel replacé dans l'administration parlé pour dire si 70 à 85% population vaccinée contre COVID-19 là, ça va diminuer sérieusement niveau infection et la mettre pays à sous route pour retourner dans la vie normale. Président Biden a annoncé tout plusieurs dizaines de milliers de pharmacies pour faire partie du programme pharmacie fédérale pour offrir vaccins sous rendez-vous et puis utiliser les ressources du gouvernement pour supporter plus de cliniques mobiles dans les sites de vaccination de la communauté. Le gouvernement fédéral, d'après le président Biden, a voué une nouvelle quantité de vaccins dans les cliniques de santé rurale dans tout le pays pendant que la communauté a plus d'argent pour encourager les gens à prendre le vaccin. La Maison Blanche lance tout un plan compréhensif pour vacciner adolescents après l'Agence mondiale des médicaments autorisé les jeunes à prendre le vaccin Pfizer dans la semaine qui vient là. Le président dit qu'il espérait que les parents à profiter de l'occasion pour vacciner les gens. État qui constate une augmentation dans la demande de vaccin COVID-19 là, ou bien qui n'a pas placé commande vaccin, et bien dose extra ça yo pour rejoindre l'autre État qui en a besoin d'après la Maison Blanche. Il y a plusieurs États qui n'ont pas utilisé toutes les doses de vaccins qu'ils ont recevoir. L'État de Virginie, par exemple, utilise tous les vaccins que le gouvernement fédéral a offert pendant que l'État Arkansas, côté une tiers population qui a 16 ans, pour pouvoir immuniser totalement contre le virus. Pendant ce temps, le représentant commercial des États-Unis, Catherine Tai, a lancé appel pour la production de vaccins élargis globalement, une façon pour mettre fin pressé dans la pandémie et puis rétablir l'économie. Responsable a fait remarquer l'inégalité mondiale qui existait pour accès vaccin comme une raison. Catherine Tai, qui a participé dans la conférence concert américaine, parlait pour dire élargir la production de vaccins, ce n'est pas seulement une exigence de santé publique, mais rétablissement économique là dépend de lui. Le président de la commerce des États-Unis a rencontré avec le responsable exécutif pour replacer la compagnie qui a fabriqué le vaccin pour discuter en partie sous une exemption provisoire droit propriété intellectuelle organisation mondiale là ta joindre sous vaccin contre coronavirus là porte-parole la maison blanche Jen Psaki déclaré par journaliste représentant commerce américain pour qu'on fait aucune recommandation les journalistes ont demandé président Joe Biden opinion sous suspension patentement et bien il déclaré n'a décidé plus n'a pas avancé. Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'est un nouveau objectif encore que président Joe Biden mettait devant. Il était mettait 100 millions, 200 millions, qu'on y a 100 millions encore d'ici 4 juillet. Et puis une dernière information concernant les États-Unis. Comité semi-indépendant Facebook maintenu jeudi mercredi à décision compagnie médias sociaux te prend pour empêcher ancien président Donald Trump poster message sur Facebook à compte Instagram. Cependant panel là était ouvert sous possibilité pour Monsieur Trump a recommencé à utiliser site populaire Sayo. Donc, c'est la dernière nouvelle qui est tombée concernant président, ancien président Donald Trump avec les médias sociaux. Mes amis, c'est là. Nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et merci à Lionel Demarat, qui est chef de pupitre. Et puis, sans oublier Franklin, Ronald César, chef de service là. Et puis, Jean-Robert Philippe, et puis, correspondant à Port-au-Prince. Merci, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Moi t'es content passer moment ça ensemble avec vous et pour tes toutes dernières informations qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas me c'est Foucault. Moi remets en pile. Moi pour aller m'a quitter non bras papa bon Dieu parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou bah la vie avec la santé. Au revoir, n'a croisé dans l'autre vidéo. Bye bye. Me ramasser paquet moi. Cause habitant pas miser la ville. On pour aller. Mais m'a quitté n'a bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.